Eh bien salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le second épisode, second chapitre plutôt sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc c'est la troisième fois que je fais l'épisode. Alors la première fois j'avais pas assez haut level, je ne connaissais pas trop le jeu, enfin plus ouais, j'avais fait à la suite de l'épisode 1. Ensuite je le refais, ah tout était très bien, mais... Bref, ça buguait trop, enfin moi je buguais pas, c'était... Là je filmais avec Fraps en fait en plein écran, et avant je filmais avec Action. Et cette version là d'Action que j'ai, elle est vraiment bizarre, elle le filme tellement mal. Et mon Sony Vegas peut pas la récupérer. Et puis en plus elle est tellement... Elle est vraiment pas belle quoi, elle est pas une très belle qualité. Du coup, on va faire... Bon j'ai fini bien sûr le chapitre 2, mais on va faire 2-3 parties de l'épisode le chapitre 2 plus la fin. Ouais, on va quand même garder... même principe. Je vais vous expliquer 2-3 trucs pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui aimeraient connaître un peu mieux. C'est aussi un let's play un peu découverte. Hein. Donc en fait là tous mes personnages ils sont level 15. C'est le level maximum car en fait ils sont un peu, c'est proportionnel à votre niveau personnel. Vous voyez que moi je suis niveau 10, presque 11 bientôt. Donc dans le personnage voilà, donc je joue avec les 5 persos. Alors Chewbacca lui il a vraiment beaucoup de vie. Le Jawa sur lui avec son flingue il fait tellement de dégâts. Le Jedi il peut soigner donc ça c'est cool. D'ailleurs là on peut fabriquer. Nickel. J'expliquerai après là par exemple j'ai trouvé. Ensuite le Killer Hero, bon il fait que 432 dégâts, c'est vraiment pas très bien. Mais bon j'attends de voir la dernière la capacité de dérouver comme personnage, j'attends un niveau 11. Quoi? Ah, équipement de niveau 2, ah, d'accord. On l'aura tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai débloqué celui-là, mais dans le côté obscur. Lui aussi, garde royal. Et le Snowtrooper. Alors lui, il est puissant. Donc quand je serai dans le côté obscur, on prendra cela. Voilà, et le sergent clone. Hein. Comme d'hab, il est toujours bien, je le trouve sympa. Feu concentré, qu'est-ce que c'est? Ah, niveau 2. Sergent clone gagne 2,5% de chance de co-critique pour chaque allié clone en vie. Ah mais on n'a pas d'allié clone, on a que lui. Donc bon, ça sert un peu à rien. Donc voilà, Chewbacca il a vraiment beaucoup de vie, ça c'est cool. Donc je vais vous montrer par exemple la seule Ewok hein, qui aimerait avoir la dernière tactique. L'éclair Ewok obtient un bonus d'esquive de 1%. Pour chaque Ewok. Ouais c'est un peu nul. Bon bref. Par exemple, vous faites trouver. Hop, et on vous dire, voilà, il y a... tel ou tel niveau à faire pour débloquer cet objet qu'on n'a pas, parce qu'on débloque des objets en terminant le combat. Du coup, là, on simule, hop, on a directement, et je passe niveau 11 au passage. Hop, et on débloque tout ce qu'on devait débloquer, au pire, il faut le refaire, hein, à chaque fois on débloque la même chose, ça c'est bien. Sauf qu'on débloque plus les pierres précieuses, hein, parce que les pierres précieuses, bien sûr, c'est qu'une fois, les pierres violettes. Donc du coup je suis passé, comme vous avez pu le voir, je suis passé niveau 11. Du coup mes personnages ils ont tous un niveau supplémentaire à passer. Donc du coup le Ewok, hop, on l'a trouvé, non, je l'ai déjà. Hop, on l'a trouvé, plus 6 dégâts physiques. Et dernier équipement, on l'a pas, on va le trouver aussi. On va prendre n'importe lequel, vous voyez j'en ai 49. Et quand je simule, ça m'en prend qu'un seul, d'accord. Hop, sinon je simule juste pour en trouver un, hop, non mince. Ah du coup je l'ai fait mais je l'ai pas eu, mince. Tant pis, on va refaire un coup. Voilà, en espérant l'avoir eu cette fois-ci. Toujours pas. On en fait une dernière, on va faire celui-là. Ah, je peux pas simuler, normal. Ah. Non. Hop, on va le trouver, on va faire celui-là. Sur Tatooine, on simule. Je l'ai toujours pas. Ah si, je l'ai. Très bien. Oh, je peux l'améliorer du coup. Pof, je passe niveau 2 et j'ai tactique tribal. Tout simplement. Donc vous voyez que là j'ai 100 000 en sous, c'est beaucoup quand même. Enfin c'est bien. Si vous voyez que regardez, on peut en débloquer pas mal à chaque fois. Par exemple le prochain c'est 10 000. Obtenez 4 personnages du côté obscur, obtenez 7 personnages, etc. Et en se connectant tous les jours on a des trucs et activités quotidiennes. Voilà c'est ça. Un total de 10 batailles. Voilà, et tous les jours ça change, hein, vous voyez en haut à droite, enfin en haut tout court.
Tu es bientôt niveau 12. Donc chaque niveau en fait c'est la même barre d'expérience. Ça permet d'aller assez vite. Donc du coup on va XP un peu tous les personnages. Hop, on va XP. Du coup je prends un peu plus de temps avec les personnages hein, vu que voilà, malheureusement j'ai perdu. Enfin j'ai. Je vous explique un peu mieux comme ça. C'est mon problème de record que j'ai eu. On va l'entraîner. Vous voyez que j'en ai 39, 7 et là j'en ai 2. Eux ça donne vraiment, vraiment beaucoup XP. En fait vous faites affecter tout, du coup ça affecte tout pour qu'il passe niveau 16. Nickel. Petit cookie. Alors, ah yes, je peux passer niveau 2. Bien sûr on améliore. Ah yes. Super. Super super. Allez, le Jawa. Allez, c'est vraiment mon personnage préféré quoi. Il fait tellement de dégâts, c'est dingue. On affecte tout. Faut en pas hésiter hein. N'hésite pas. Ensuite mon Jedi. Hop, on va le passer. On affecte tout. Hein. Hop, je vous montrerai aussi d'autres trucs à faire tous les jours si vous jouez à ce jeu. Hop. Niveau 16 aussi. Et le dernier, le petit clone. Hop, on affecte tout. Très bien. Voilà. Donc j'ai tout, voilà, tous niveau 16. De quoi personnage d'un petit 1. Bon bref. Par exemple dans les cartes de données. Ah oui, j'ai mon petit truc gratuit. Allez, on tente. Allez, un personnage, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah putain. Attends, on peut obtenir ça quand même. Toi si on peut avoir elle. Mon frère il l'avait eu celle-là. Franchement c'est vraiment cool de l'avoir. C'est un Jedi supplémentaire. Bah, du coup moi là-dedans j'ai eu la garde royale en fait. Donc, je suis déjà assez chanceux. Et dans le chargement, donc encore 3 heures, ce que je l'ai utilisé bien sûr quand j'ai fait la vidéo la dernière fois. Enfin il y a 1h30 je crois. En fait, avec ça, donc ça sert à rien d'acheter des packs avec ça. Hein. Vous achetez les droïdes d'entraînement. En fait, tous les 5 heures, il y a des ravitaillements qui arrivent. Vous pouvez acheter des droïdes d'entraînement T2 pour 50 je crois, ou un peu moins. Vous avez 25 expériences, et c'est les boules avec 2 étoiles. Donc voilà, c'est très très utile. Vous pouvez acheter des trucs là, même, ça sert un peu à rien. Et juste avec de l'argent, vous pouvez acheter des prototypes de scanners. Alors on m'avait expliqué, je sais plus trop ce que c'est, mais je les achète quand même, j'en aurais besoin. Et donc voilà. Du coup... on peut commencer donc allez, on va dire encore 7-8 minutes. Ok. Genre, je regarde un peu avec mon chrono vu que j'ai en plein écran. Très bien. Alors, du coup dans le 2, par exemple celui-là je l'avais fait en 2 étoiles. Normalement il n'y a pas de souci, on va le refaire tranquillement. Let's go. Alors je suis désolé pour l'épisode 1, c'était pas très fluide, en fait c'est ma version d'action qui est un peu buggée, du coup j'ai filmé avec Fraps. Et du coup là vous allez en voir 60 fps. En espérant que vous apprécierez. Ok, alors ça c'est un peu le bonus, mais on s'en fiche. On va tirer dans le tas. C'est le pic qui fait le moins de dégâts. Notre attaque spéciale a fait 260. Bon, lui elle va le faire moins parce que lui il tape plusieurs personnages. Mais déjà à 140. Et lui vous allez voir. Ah, lui. Oh là là. Alors lui, une nouvelle attaque donc, que vous ne connaissez pas dans le premier. Ah oui, en fait, je suis en train d'y penser. Du premier épisode vous avez pas vu tout ça en fait, parce que c'est dans le deuxième épisode où j'ai commencé à avoir plein de trucs. Donc en fait normalement au début vous débloquez le Jawa, donc celui qui est là en bas, et à côté le Wookie. J'ai débloqué le Wookie, pas le Wookie, le Wookie c'est Chewbacca, le bon, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est à gauche avec son arc. Et du coup voilà, j'ai débloqué et... augmenter tout simplement, vous débloquer comme ça avec au fur et à mesure du temps ou avec des packs gratuits. Voilà. Un peu de dégâts mais ça va. Par contre quand ils se mettent à enchaîner c'est chiant. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va soigner avec lui. Regardez. Bam, 318. C'est cool. Voilà. On va le terminer. Pas avec lui. 220. J'attends que l'autre qui tire avec l'arc, c'est celui qui fait le moins de dégâts.
Allez, progression 303, l'affrontement final. Ok. Alors toi. J'adore cette attaque. Cette attaque. Oh, il a dévié quoi. Ah putain, ils sont en train de focus. Ah putain. Vous voyez en fait les barres de vie des ennemis. Vous voyez par exemple les ennemis ils ont 2 barres. Moi j'en ai 3 partout sauf mon Stormtrooper et le petit archer à gauche. Par contre voilà mon Chewbacca il en a 4. Alors lui impossible de le terminer en un tour. Hop. Il a fait tellement de dégâts. Je sais pas si vous vous rappelez dans le dernier épisode, je faisais vraiment rien du tout. Final 1-3-3. On va mettre en auto, vous allez voir, c'est sympa. Ça va un peu vite. Quand vous savez que vous allez gagner, vous pouvez mettre en auto si vous voulez. Ah, niveau 12, nickel. On gagne 25 énergie bonus. Énergie maximum à augmenter, pardon. Très bien, on gagne un peu d'XP. Pour mon côté obscur, pour plus tard. Donc d'accord, j'ai fait 3 étoiles. Là aussi. Allez, on va se faire. Je regarde un peu. Oui, c'est bon, on a le temps. Oh, ouais. Ça, c'est pour le niveau 2. D'accord. Allez, on y va. Let's go. En difficile dans le niveau 2. On va voir comment ça se passe. Je crois que je suis niveau 12. Je crois que j'ai débloqué le côté obscur. Un peu plus. Bah, c'est vrai que leur attaque spéciale, elles font vraiment mal. Ça va encore. On va passer du côté difficile. Hein. Ok. Et on le termine. Si on peut terminer un peu plus facilement et rapidement. Parce qu'ils ont une attaque spéciale et ils font vraiment mal quoi. Ah putain, j'ai pas pu. Après 300, ça va encore. Allez, tous sur lui. Hein. Hop, il le termine. Nickel. Peut-être du dessous. Hop, 2 sur 3. Ok. Oh non. Ok, c'est Chewbacca. On va les soigner. On récupère presque. Ouais. Plus de la moitié, c'est cool. Hop. Très bien. Vous voyez, maintenant il peut avoir beaucoup plus de dégâts. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ouais, quand ils font moins 800 dans le tour, surtout que là, il a quand même perdu quand même pas mal de points. C'est vrai qu'ils font quand même vraiment mal. Donc, en fait, la première fois que j'ai fait l'épisode 2, donc, il y a 3-4 jours, j'étais niveau 5-6 ici et j'arrivais pas. C'était impossible. Je me faisais tuer même pas à la fin. Mais là, maintenant, hein. Pour ça, il faut bien XP avant un petit peu. Ah, j'ai étourdi, c'est rare. C'est rare, j'arrive à étourdir quand même. Ah, bah, il est plus étourdi. Allez. Hop, c'est de vite terminé. Même de la vie. Oh. Non. Okay. Ça risque d'être compliqué. On va soigner. Allez. Beaucoup moins de vie. Si je peux garder. Ok. Ah victoire. Ah d'accord, c'était la dernière. Ah dommage, dommage. J'aurais peut-être pu les garder. Ouais Ray, je crois que c'est assez long pour l'avoir elle. Star Wars vous plaît. Allez, plus tard.
J'aime bien y marquer plus tard, peut-être. Vraiment. Allez, on a le temps. On va se faire une dernière. Donc c'est Tatooine. Voilà. C'est la salle finale en fait, du chapitre 2. Allez, c'est parti. Je vais monter. Hein. J'ai pas eu trop de difficultés la première fois que j'ai fait. Détermination du coup. Raison de la vitesse. Ça fait un peu mal, mais quand même. Ça fait moins 400, moins 800 dans le coin. On va se soigner quand même. On va essayer de pas perdre de perso. On va aller se faire plaisir lui. On va lui aussi. Très très mal, hein. C'est juste qu'il a l'arc quoi. Par exemple, il fait presque même dégâts que. Putain, attends, il fait presque même dégâts que. Que. Chewbacca. Sauf que Chewbacca, lui, il a plus de vie. Après, c'est un personnage phare de la série. Après, c'est peut-être normal qu'ils ont des compétences supplémentaires. Hop, on termine. Hop là. Éloigner un peu plus. Enfin, ma souris. Oula. Petit bug de son. Hop. C'est très rare quand même, hein, d'électrocuter qu'elle est paralysée. J'ai réussi deux fois d'affilée. Voilà, on y va. On enchaîne. Il a beaucoup de vie quand même. Il avait fait un truc bizarre. Genre tout le monde a refait son tour en fait. Quand même c'est assez dangereux. Pas totalement dégâts. Ouais c'est ça en fait leur problème à eux. Ils font des tours. Enfin d'autres pièces, c'est cool. On va voir si on peut du coup améliorer. Ah ouais, on peut améliorer lui, c'est nickel. Alors fabriquer, équiper. Ensuite le clone, fabriquer. Hop, je vous enlèverai la souris hein, pour le prochain épisode. Hein. J'ai oublié de l'enlever. Je sais pas si vous la voyez en fait. Je pense que vous la voyez. Est-ce que... Non, je suis encore au niveau 12. Putain, c'est vraiment des activités un peu nulles. Ah, à la fin de la journée, il n'y a plus grand-chose. Ah, ouais, j'ai débloqué pour le côté obscur. Donc, quand je serai un peu trop en galère... parce qu'après, être niveau 63... bon, après, assez prochainement. Parce que ce jeu, là, il est assez récent. Voilà, après être niveau 18, là, ça je pourrais, je pense. Mais voilà, j'avais commencé un peu off ici, donc ça sera pour le troisième épisode. On va essayer juste avant la fin. Allez, Chewbacca, il est presque à la fin. Hop, on va trouver. Ah, oula, 4C carrément. Ah, ouais, d'accord, c'est pas maintenant. Le Jedi, il peut trouver des trucs ou pas? Non? Ah, il manque ça. Hop, on va essayer de simuler. Hop. Ensuite, il te manque. Ah, ça y est, je peux fabriquer. Du coup, je l'ai plus. On va devoir resimuler.
Après, je peux le faire rapidement. Mais bon. On a des trucs, autant les utiliser. C'est juste fait pour ça en fait, les simulations. C'est pas comme si j'étais en train d'XP des personnages secondaires quoi, c'est le Jedi. Ah, je vois pas. Ok, c'est une loupe. D'accord. Ok, toujours pas. Toujours pas. Bah, j'ai pas de bol ou quoi. Bon, une dernière fois. Et non, je veux pas la drop à loop. Ah si, je l'avais. Ah putain, mais je suis con. Bon, au moins j'en ai une là. Oh là là. Bon, tant pis. Bon, j'en avais 25 tout à l'heure. J'ai joué à peine une heure. Je suis déjà à 45. J'ai mon frère qui joue, il en a déjà plus de 200. Enfin, plus de 100 déjà. Quand même pas mal. Voilà, Dark Vador 980. Putain, à mon avis, c'est la tour. Assez bien. Voilà, donc on va faire notre petit pack avant de se laisser. Donc j'ai plus rien à monter. Hop, carte de données. Mon petit pack. Allez. What? Gratuit, non? Pas 5 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de... Allez, ciao tout le monde!